Comme vous venez de le voir, on a laissé Mommy Longlegs dans la base des chasseurs de monstres. Et malheureusement, en y retournant, on a vu qu'elle avait disparu. Elle s'est donc échappée dans la nature. Et il est désormais notre devoir de réussir à la capturer. Alors, j'ai un nouvel objet pour réussir à capturer Mommy Longlegs. Vous allez voir, c'est un petit peu violent, mais c'est très stylé. J'ai la batte de Harley Quinn. N'est-elle pas magnifique? Regardez, Good Night. Voilà, on est prêt à assommer Mommy Longlegs. Là, j'ai l'air d'un truand, je crois. Là, j'ai l'air d'un vrai truand avec ma batte de baseball. Franchement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que t'es ici, Diabolo? Eh bien, c'est très simple. Comme vous le savez, je fais partie du groupe des chasseurs de monstres. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi en faire partie en vous abonnant à ma chaîne et en activant la cloche de notification. Si tu le fais, tu feras partie de l'organisation très secrète des chasseurs de monstres. Et du coup, si on est ici aujourd'hui, c'est qu'on a reçu une notification, voilà, qui s'affiche à l'écran, de la part des chasseurs de monstres, qui nous ont dit que Mommy Longlegs avait été aperçu sur ce terrain de foot. En gros, il y a des personnes des chasseurs de monstres qui habitent les immeubles au-dessus du stade de foot. Et grâce à des jumelles, ils ont aperçu Mommy Longlegs sur, eh bien, le terrain. Le problème, c'est qu'on n'a pas de photo, du coup, on peut pas en être sûr et certain. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai pris un petit objet. Voilà, que vous connaissez tous, qui est dans ce sac. Je pense que vous avez deviné, essayez de deviner en commentaire. Mais voilà, j'ai pris le drone. J'ai pris le drone, ce qui fait qu'on va survoler les terrains de foot. On va essayer de repérer Mommy Longlegs. Et lorsqu'on l'a repéré, eh bien, let's go, on y va avec la batte de baseball. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va préparer le drone et on va aller le mettre du coup là-bas. Là-bas, il y a un petit endroit, on va survoler les terrains de foot. Et si on voit Mommy Longlegs, eh bien, on file, voilà, lui régler son compte. Le but, c'est de l'assommer, de la capturer, de la mettre dans le coffre de cette voiture, pour ensuite la remettre dans la base des chasseurs de monstres et que Mommy Longlegs n'attaque personne. Parce que vraiment, voilà, ce serait de notre faute, étant donné qu'on l'a invoqué dans le dernier épisode en la dessinant, etc. Bon, let's go, je range la batte de baseball et on va sortir le drone. Voilà, let's go. Le drone est contenu à l'intérieur de cette pochette. Parce que voilà, hop, on va fermer le coffre et on va se rendre au bord du lac. C'est une zone, je crois, qu'on n'a jamais vue en vidéo. Mais c'est pas loin de chez nous, en gros, donc il y a un lac. Il y a des terrains de foot, donc voilà, c'est une zone qui est assez grande et il y a surtout une petite forêt en vrai. C'est une forêt, hein, c'est ça? Ouais, c'est un petit bois, ouais. Ouais, voilà, il y a un petit bois et tout par ici. Il y a des champs. Ouais, voilà, donc en gros, bah, ça peut être un endroit où pour les monstres ils peuvent se réfugier sans être trop aperçus, etc. Mais du coup, voilà, alors vous allez me demander à quelle heure à peu près a été observé Mommy Longlegs. Eh bien, c'était ce matin, c'est ça un petit peu le problème, c'est que Mommy Longlegs a été aperçu ce matin sur le stade de foot et que nous là on est en début d'après-midi, on j'avais pas vu la notification. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, mais voilà. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire démarrer le drone juste ici. Il y a un grand lac, donc voilà, on peut peut-être aller voir s'il y a notamment des îles sur le lac comme la dernière fois. Et voir si justement on peut essayer de choper une image de Mommy Longlegs. Je vais préparer le drone, on va l'ouvrir ici. Alors je suis vraiment très bête parce que j'ai oublié la télécommande dans la voiture. Donc on va aller la chercher après, je vais installer d'abord les ailes, etc. Alors évidemment, je pense qu'on se mettra dans la voiture en vrai pour piloter le drone. Ce sera mieux pour qu'on puisse se caler et qu'on puisse observer. Et là pour une fois, ce qui est très cool, c'est qu'il fait extrêmement beau. Du coup on va pouvoir sans doute voir beaucoup mieux avec le drone que habituellement où il pleut tout le temps. Donc voilà, les ailes sont installées. Donc là on va retirer juste la protection de la caméra. Voilà, le drone est fin prêt. Et là du coup je vais aller chercher la télécommande de la voiture et j'arrive ici pour commencer à le faire démarrer. C'est bon, je suis allé chercher la télécommande et j'ai déplacé ma voiture juste ici pour pouvoir piloter le drone. Donc là let's go, on va allumer la télécommande plus le drone. Voilà, c'est parti, on a le drone qui commence à être démarré. Donc je vous rappelle, on va survoler d'abord les terrains de foot et ensuite on va survoler le lac si on le trouve pas Mommy Longlegs sur les terrains de foot. Voilà, donc regardez, sur la télécommande on voit les images que le drone filme. Là on voit la vue actuelle du drone, voilà, il est allumé. Et ensuite du coup on va le faire décoller, let's go. Décollage imminent. Voilà. Du coup ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va aller escalader dans la voiture et on va regarder un petit peu les images au drone. Parce que ici ça fait beaucoup de bruit avec le drone. Même si évidemment on va le faire monter et tout, voilà. Bon allez, let's go, on va se caler dans la voiture et on regarde un petit peu ce qui se passe sur le drone. On cherche Mommy Longlegs pour aller ensuite lui mettre des gros coups de batte. C'est bon les abonnés, on se retrouve du coup avec Alex, c'est pas Azibex. Voilà, vous le connaissez, salut. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo drone. Du coup let's go, on allume la caméra du drone, c'est parti. Et là on va monter, let's go, c'est parti. Voilà, pour survoler le lac et simplement les terrains de foot. Ok, c'est magnifique hein. Ah, c'est super. Franchement, beau. C'est super beau. Ok, let's go. Donc voilà. Et là, du coup, regardez si on tourne un petit peu la caméra. Et du coup, si on tourne un petit peu la caméra, eh bien voilà, on voit les terrains de foot. Voilà, let's go. On voit les terrains de foot. On va monter encore un petit peu plus haut. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. C'est magnifique hein. On voit les terrains de foot. On voit la ville. On va juste baisser un petit peu la caméra. Let's go. Comme ça, on voit bien les terrains de foot. Et là, déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'on voit pas Mommy Longlegs. Hein. Ouais. Elle est pas là. On la voit pas non plus. On observe bien les terrains de foot. Oh, c'est stylé comme, comme vision. Ok, je suis pas encore en maîtrise totale du drone. Vraiment, je suis toujours en découverte de pilotage. Mais du coup, là, je fais des petits tricks. C'est incroyable. Du coup, voilà, on est du coup au-dessus du
premier grand terrain. Là, le drone, il est actuellement à 46 mètres de haut. Du coup, on voit bien que pour l'instant, sur le grand terrain, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Je vais essayer de regarder un petit peu quand même. On va regarder un petit peu. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. On voit pas de traces de momie long legs. On va aller bien au-dessus du terrain, voilà. Et on voit pas grand-chose. Je sais pas du tout pourquoi ça penche comme ça. C'est la première fois, je crois, que ça me fait ça. Mais tant pis, c'est assez stylé. Ok, bon, bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. On voit pas de momie long legs. On va peut-être observer là-bas. Regardez, il y a un chemin. On va aller observer avec une sorte de club de voile. C'est ça, je pense. Il y a des travaux aussi. Voilà, potentiellement. Hop, let's go. On est au-dessus, du coup, de la piscine. Je crois que c'est une piscine, c'est ça? Ouais. Ok, let's go. Et il y a une personne qui est en train de marcher. Ça se trouve, les gens nous voient avec notre drone. On doit les faire flipper un peu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ok, pas grand-chose du tout, les abonnés. Je vais observer un petit peu, voilà, le lac aussi. On va regarder un petit peu le lac, voilà. Alors, le lac est très grand. Hein. Le lac est extrêmement grand. On voit un ponton là-bas. Potentiellement, près du ponton, peut-être qu'il y a quelque chose. On va aller checker du côté du ponton. Il n'y a pas d'avoir grand-chose non plus. On regarde vite fait. Non. Ponton, il n'y a rien du tout. On refait demi-tour, les abonnés. Là, on la voit pas. Oh, elle est en bas à droite. Ok. Elle est en train de courir. Ok, ok. Oh mince, on l'a perdu de vue. Elle est partie. Oui, je sais plus là. Elle a dû remonter sur le chemin, je pense. Attends, mais les gens, ils l'ont pas vu là. Attends, mais que. Oh. Ok, à mon avis, elle a juste apparu très vite. On l'a vu courir. Ok, 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 ok. Donc, elle est bel et bien là, les abonnés. Elle est vraiment ici, Momie Long Legs. Ok. C'est vraiment hardcore. Ok, bon, ce qu'on va faire, il faudrait peut-être qu'on bouge avec. Parce que là, le drone, en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on va plus. Là, on est à 322 mètres, en fait. Donc, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le drone, on va plus pouvoir le voir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se déplacer avec la voiture pour faire décoller le drone plutôt de là-bas, histoire qu'on puisse avoir une meilleure distance, en fait, qu'on puisse le voir de plus loin. C'est ce qu'on va faire. On va faire venir le drone ici. Et du coup, on sait à peu près dans quelle zone elle est. Elle est plus proche, du coup, de cette zone-là que des terrains de foot. Donc, elle a dû partir des terrains de foot. Donc, on va faire décoller le drone de plus loin. On vous retrouve directement lorsqu'on fait démarrer le drone d'un peu plus loin, du coup, plus proche de la zone où elle est. Le drone vient d'atterrir. Voilà, il est juste ici. Du coup, on va l'éteindre. On va le mettre dans le coffre et on file à la prochaine zone. Voilà, j'espère qu'on va essayer d'apercevoir un petit peu mieux Momie Long Legs parce que là, elle était toute petite quand même. Hein. Ouais. Elle était toute petite, donc voilà. Let's go. Hop, je l'éteins. Ça nous permettra aussi de changer de batterie. Voilà. Let's go. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le drone juste ici. On va rouler doucement. Ok. C'est quand même incroyable que les gens ne l'aient pas vu, hein, Momie Long Legs. Hein. Elle est vraiment passée. Je pense qu'elle est passée vite. Je pense qu'elle est passée extrêmement vite. En tout cas, on a eu le temps de la voir, je pense, peut-être grâce au drone. Peut-être qu'en vrai, à l'œil nu, on l'aurait pas vu. Ouais. Donc, ouais, on va se rendre vite fait dans la zone là-bas. Et on va essayer de vraiment la trouver. J'ai vraiment envie d'essayer de la retrouver. Voilà, let's go. On s'est du coup décalé, mais on n'a pas pu aller à l'endroit où on voulait, puisqu'en fait, la route était barrée. Du coup, on a dû se mettre beaucoup plus loin. Mais on est normalement à un endroit qui est quand même plutôt stratégique. Du coup, là, c'est parti. Je vais faire décoller le drone. Il est déjà assez haut. Voilà, on va le faire monter. C'est parti. Voilà. Du coup, on va se recaler dans la caisse. Voilà. Et on va chercher du coup Momie Long Legs. C'est bon, du coup on est de nouveau voilà au dessus. Donc voilà, on va monter un petit peu. Alors là vous voyez pas le lac parce que c'est normal, on n'est pas dans la bonne direction. Voilà. Là on a le lac et du coup eh bien voilà, on voit le chemin en bas à droite. Alors je vais juste baisser un peu la caméra parce que sinon on voit pas trop. Voilà, on voit le chemin par lequel eh bien, enfin vers lequel courait Momie Long Legs. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va longer un petit peu le chemin en fait. On va monter un peu plus haut déjà, voilà. On va monter, on va être à 65 mètres de haut, voilà. Et du coup, on va longer un petit peu justement ce chemin, voilà, à la recherche de Momie Long Legs. Et pour l'instant, eh bien, on voit pas grand-chose. Hein. En plus, c'est vrai qu'elle est assez visible. Alors regardez, c'est le chemin là-bas, regardez, qu'on voit un petit peu sinueux. On va aller là-bas. C'est là-bas qu'elle courait, hein. C'est là-bas qu'elle courait. Ouais, c'était ici, ouais. C'est juste ici. Donc voilà. Et là, pour l'instant, on voit pas grand-chose, justement. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Il n'y a pas d'île, en tout cas, sur le lac. Du coup, il n'y a potentiellement rien où on peut voir Momie Long Legs. Je pense qu'elle a couru vraiment très vite pour rejoindre l'autre berge. Il y a moyen qu'elle traversée. Ouais. Donc là, voilà. Ouais. Donc là, voilà, il y a une sorte de. C'est pas un pont, comment on pourrait appeler ça? Si, c'est une sorte de petit pont, je crois que ça a continué après. On va aller checker. Ah, ça se trouve, elle est peut-être partie de l'autre côté en vrai. Hein. Ah ouais. On va aller checker, voilà, on voit le pont. Et on passe du coup. Ah oui, d'accord, ok, ça continue. Ouais, tu sais, ça. Ah oui, là-bas, regarde, ça reprend. En fait, ça reprend là-bas. On voit, regardez, on voit, on va aller survoler là-bas. Ok, regardez, ça continue juste ici en fait. Ok. Bon, je suis pas sûr en vrai qu'on trouvera grand chose ici. Je sais pas si elle a eu le temps d'aller jusqu'à là-bas. Ouais, ouais, je pense pas. On va plutôt se rapprocher du coup là-bas. Voilà, on va aller par là-bas. Là, c'est le bois dont vous parlez tout à l'heure. Alors, il y a un, en fait, c'est juste arboré un peu partout quoi. C'est, regardez, parce qu'en gros, je vais remonter un petit peu. Hop, voilà. Regardez tout au fond en fait, c'est là dont on vous parlait tout à l'heure. Le bois un peu dont on vous parlait. On va retourner en direction du lac, toujours à la recherche de Momie Long Legs.
Décidément, elle est compliquée à trouver, hein. Plus compliquée que ce que je le pensais. Voilà, en plus le drone il fait des virages, j'ai l'impression d'être dans je sais pas quoi. Dans un avion. Ouais, hop. Wesh, elle est juste là. Elle est juste là. Ok les abonnés, c'est de l'autre côté. Ok, on l'a repéré, elle est juste ici. Regardez, elle bouge pas. Ouais. Ok, let's go, on va faire revenir le drone. On va faire venir le drone. Ok, il retourne, ok on voit plus. Ok, bon, on va se dépêcher de sortir. On attend qu'elle sorte. Ok, c'est bon. Les abonnés, on se rend en fait en voiture, ça ira plus vite. Faut vraiment pas qu'on la loupe. Faut qu'on arrive à l'assommer, genre vraiment coûte que coûte. C'est parti, on se dépêche tout en respectant évidemment les limitations de vitesse. Ok, je suis monté sur un trottoir. Ok, c'est parti, let's go. Donc c'est bon, on va se garer juste là-bas, juste au-dessus. Et ensuite, on va se rendre exactement à l'endroit où elle était. Donc là, on va prendre la batte de baseball, let's go. Et là, c'est entre moi et Mommy Long Legs. C'est parti, on ferme la voiture et on se dépêche. Ok, c'est parti, let's go les abonnés. Tu penses qu'on va réussir à la capturer ou pas? Bah j'espère, je pense en vrai aussi. On a fait vite là donc ça doit. On a fait vite, elle doit être encore là-bas. Il y avait personne je crois en plus donc peut-être elle a dû rester tu vois. Ou alors j'espère qu'elle a pas vu le drone. Je connais pas son degré d'intelligence. Ok. Elle est juste ici les abonnés. Ok, c'est à moi. C'est à moi contre elle. Ok, reste ici, hein. Reste à distance. Ok. Je vais essayer de la sommer. Ok, let's go. Wow, elle a disparu. Elle a disparu. Ramène-toi. Comment c'est possible? Elle était juste là. C'est pas un esprit en fait le truc. Normalement j'aurais dû la choper. Elle était juste là. Comment c'est possible? Ça fait comme tout à l'heure. Pile poil au moment où t'allais. Genre vraiment on a fait une apparition, elle est plus là. Bah, attends vas-y viens on va checker, on va voir si elle est pas un peu plus loin. Peut-être elle s'est barrée. Elle est juste là-bas, on se dépêche. Ok je vais la frapper. Mais elle a de nouveau disparu. Finaise. Je pense que ça va être chaud pour aujourd'hui hein. À mon avis. Ah, ça va être compliqué là. Bon les abonnés, je suis un peu saoulé. Il va falloir qu'on réfléchisse à un autre plan. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais faire pour la capturer. Si elle disparaît comme ça, peut-être essayer de la pâter. Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait la pâter, ouais. Genre pour la ramener dans un piège et qu'on la capture vraiment. Dites-moi les abonnés ce que vous en pensez en commentaire. Et à 10 000 pouces bleus, je fais un deuxième épisode dans lequel on essaie vraiment de la capturer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Alex pour m'avoir aidé à tourner cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde les potos, je vous aime. Et à très très vite.